دعيني ارتاح. مرحبا بك ولك الكلمه. مساء الخير استاذ انا فلوس، مساء الخير استاذه ماشوري، سعيده بتواجدي معكم، مساء الخير استاذ المالكي، استاذ رزقي ايضا. في الواقع هذه ربما الجلسه العلميه الوحيده او الاولى التي احضر فيها او اكون مشاركه فيها الى جانب هذا الاستاذ الاساتذه الاستاذه ماشوري، الاستاذ انا فلوس، الاستاذ رزقي والاستاذ المالكي. دونك في الواقع انا سعيده جدا بوجودي معكم، وساتحدث ايضا عن موضوع لن يكون بعيدا عن الموضوع الذي قدمته الاستاذه المشكوره استاذه ناديه ماشوري، لان ربما اهتماماتنا تقريبا لدينا نفس الاهتمامات. فقط الاستاذه تحدثت عن غابات البلوط الفليني، انا سانتقل معكم نوعا ما وسط المغرب الى غير ذلك، وسانتقل من الهضبه الوسطى الى غير ذلك الى الاطلس المتوسط لنتحدث عن غابات الارز المغربيه خاصه التي تتواجد ب الأطلس المتوسط الأوسط إلى غير ذلك. إذن كما قلت سأتقاسم معكم شاشتي وسنبدأ بإذن الله الحديث. هل الصورة واضحة؟ أستاذ؟ نعم نعم. كبر شوي غير ممكن جيت ممكن ليكرو Merci beaucoup. Alors, je vais également présenter en fait ma présentation en français. J'ai pas eu en fait le temps pour la traduire en arabe, mais bon, je vais utiliser voilà une langue soi-disant très simple, des mots qui sont très simples à comprendre, et s'il y a des questions par la suite, je peux répondre avec un très grand plaisir. Donc, dans le cadre en fait de ce forum numérique arabe sur la géographie du climat, j'ai pensé en fait à partager avec vous en fait une thématique d'actualité. Je crois que le professeur Machouri l'a bien dit tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment de la vulnérabilité de la cèdrée d'Azrou, d'accord, qui se trouve dans le Moyen Atlas central, face au changement climatique. Et je vais essayer quand même de vous parler en fait de mettre le point sur quelques impacts directs et indirects. Voilà. Donc je vais commencer par une petite introduction, voilà, qui est normale bien sûr, et en parlant en fait de deux concepts. Voilà, le climat et la forêt, d'accord. Pourquoi en fait il y a ces deux concepts? Parce que en fait il y a une relation d'échange entre ces deux concepts depuis longtemps. C'est pas seulement maintenant, mais depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait le climat conditionne la répartition des végétaux à la surface de la terre, ça d'une part, et la forêt, elle modifie le climat en le rendant plus doux et plus favorable à la vie. Ce qu'on appelle en fait le microclimat. Donc la forêt, elle est très importante. Alors maintenant, le problème, c'est pas les deux concepts climat-forêt, parce qu'ils ont toujours existé dans notre terre, et nous avons toujours vécu en fait en étroite collaboration avec ces deux concepts. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que la relation entre les changements climatiques et le développement des forêts, au Maroc, elle n'a pas trop été abordée. Bon, elle a été, c'est vrai, abordée au Canada, elle a été abordée aux États-Unis, elle a été abordée en France, mais au Maroc, ce genre de corrélation climat, surtout changement climatique, je ne parle pas seulement de climat, changement climatique, développement de forêts, ça n'a pas été trop abordé. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait, il y a un manque en ce qui concerne la documentation. Il y a l'indisponibilité de l'information, ça d'une part. Et deuxièmement, c'est que ça exige en fait aux chercheurs qu'ils aient en fait une spécialité, une double spécialité. Ça veut dire qu'ils devraient être climatologues en même temps forestier ou bien, je sais pas, biogéographe et le reste des cas. Donc, ce problème, c'est deux causes qui ont laissé ou bien donné en fait à cette relation, enfin, elle était en fait pas trop abordée au Maroc. Alors, ce n'est qu'à partir de 2009 que certains chercheurs et chercheuses, bien évidemment, surtout en fait des bioclimatologues, qui ont en fait parlé de cette thématique. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces bioclimatologues? Ils ont trouvé qu'il y a une grande relation entre les changements climatiques et la détérioration des forêts marocaines,
Surtout les forêts qui se localisent en montagne, comme d'ailleurs les forêts du cèdre marocain. Alors, lorsqu'on parle en fait de cette vulnérabilité, ça veut dire, on va parler en fait de cette vulnérabilité dans l'Houma et l'Atlas central, et j'ai choisi en fait de travailler sur la cédrée d'Azo. Pourquoi déjà la cédrée d'Azo? Parce que c'est une cédrée qui est particulière, une cédrée en fait qui se localise dans l'Houma et l'Atlas central, mais surtout dans le Mayen Atlas tabulaire, ça veut dire dans le secteur tabulaire du Mayen Atlas, avec une superficie presque de 17 800 hectares. Elle est composée de 122 parcelles et elle a en fait des altitudes qui sont variées. Le plus haut sommet, c'est Jebel Hibri. Je crois que tout le monde le connaît parce que c'est un circuit touristique par excellence. C'est à 2103 mètres d'altitude. Donc, cette forêt, elle est très importante, elle est exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est que elle est située au centre, ça veut dire elle est bien entourée par des forêts. Il y en a en fait des forêts qui sont des cédrées, d'autres qui ne sont pas des cédrées, ils sont des chênaies et tout. Donc, elle est bien entourée, elle se localise au centre, comme je viens de le dire. Et l'important, c'est que l'espèce principale dans cette forêt, c'est le cèdre de l'Atlas. Alors, le cèdre de l'Atlas, on peut le trouver soit en état pur, ça veut dire, il n'y a pas de roufi, moujoud, il n'y a pas de roufi, 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 on mélange, ça veut dire, on mélange avec d'autres espèces, comme d'ailleurs le chêne vert. Donc, la zone d'étude, soit on trouve le cèdre pur, soit on le trouve en association avec le chêne vert, on peut le trouver également en association avec le bépine, et également tout cet écosystème, il s'associe avec les animaux qui se trouvent dans cet écosystème, comme d'ailleurs le singe magou, d'accord, et le sanglier, bien évidemment. Donc, c'est une cédrée qui est impressionnante du côté paysage, ça d'une part, du côté également problématique, parce qu'on parle en fait de problématique, en fait de vulnérabilité des cédrés ou bien des forêts face au changement climatique. Je crois que le professeur Machori l'a bien dit, bien avant moi, c'est que c'est vrai, cette problématique déjà porte sur la vulnérabilité. L'arabia, quand on nous a le hachacha, ou le hassassiat, le rabat, tija, d'ouf l'ouassat, le mouhit abirant. Voilà. Et cette vulnérabilité, elle se traduit par une détérioration. Une détérioration, ça veut dire itlef. On a qu'à itlef l'idraba, itlef l'idraba. Voilà, une détérioration, une fragilisation bien accusée des peuplements du cèdre. C'est le nom bien connu, le dépérissement. Saddam Ashouri se met au socle, ou il se met à l'aide de l'ihtira. Ou il y a l'ihtira, le rabat et le rédalikum. L'ihtira, ma hu aslan. Le dépérissement, c'est quoi? Le dépérissement, c'est l'affaiblissement progressif. C'est un état maladif, pour qu'on soit d'accord. Alors, le dépérissement, c'est un état maladif qui se manifeste par l'affaiblissement progressif des arbres du cèdre. Bien sûr, cet affaiblissement, il est dû à plusieurs facteurs. Mais chacun essaie de dire que le facteur le plus important, c'est le facteur qui est lié à sa spécialité. Par exemple, les climatologues, ils disent que l'augmentation des températures de surface, l'augmentation de la fréquence et l'intensité des vagues de froid en hiver et les vagues de chaleur en été, les modifications spatio-temporelles des précipitations, la succession des sécheresses prolongées, l'augmentation des averses causant par débordement des rivières, des inondations mortelles et catastrophiques, tout ceci, ça veut dire des facteurs qui ont une grande relation avec les changements climatiques, qui ont une grande relation avec les perturbations climatiques, tous ces éléments-là, ils ont un effet sur le dépérissement de ces forêts, ça veut dire la forêt du cèdre. Mais pour être honnête, moi, autant que jeune chercheuse, et je crois que le professeur Machouri l'a bien dit, c'est qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les facteurs climatiques. Ben, c'est vrai, les facteurs climatiques aggravent encore plus la situation, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, qui ont une grande relation avec les conditions du milieu naturel, qui ont une relation avec l'activité anthropique. Mais puisque moi en fait j'ai choisi de dire, ou bien j'ai écrit en fait, j'ai intitulé en fait ce travail vulnérabilité de la cédrée face au changement climatique, donc je vais essayer quand même de parler de ces changements climatiques, de déterminer leur impact direct et
indirect, bien sûr, sur les arbres. Voilà. Donc, cette problématique ou bien cette situation qui est alarmante nous a poussé en fait à poser une question qui est essentielle. Quels sont en fait les impacts directs et indirects des changements climatiques sur l'état sanitaire de la cèdre d'azur? Et lorsqu'on parle en fait d'un état sanitaire, il y a حالة صحية, يعني ما تأثيرات المباشرة والغير المباشرة للتغيرات المناخية على الحالة الصحية لغابة الأرز بأزرو بيان إيفيدامون. وأكيد أن للقيام بهذا الإجابة عن هذه الإشكالية أكيد pour répondre à cette problématique. Nous avons tracé en fait deux objectifs essentiels. Alors le premier objectif, nous allons essayer quand même d'observer les changements climatiques dans la cèdrée d'Azrou tout en suivant l'évolution quantitative des principales variables climatiques, c'est-à-dire pas. Deuxième objectif, c'est de déterminer quelques impacts directs et indirects des changements climatiques sur la cèdrée d'Azrou. Parce que en fait, les impacts ils sont nombreux. Et je peux pas en dans un laps de temps bien précis de parler en fait de tous ces impacts. Donc, je vais choisir de vous parler de deux impacts directs et deux impacts indirects. Et comme ça, on aura une idée quand même sur ces impacts. Peut-être une occasion pour les chercheurs de travailler encore plus sur ce côté-là. Voilà. Nous avons utilisé quelques données qui sont importantes, des mesures en fait annuelles de variables climatiques pour une période très très longue, notamment pour Ifrane, pour la station d'Ifrane, d'accord, de 1958 jusqu'à 2016. Nous avons également utilisé des mesures annuelles de la largeur des cernes de croissance dans la zone d'étude, dans la cèdre d'Azrou, et quelques statistiques en fait de l'effectif des populations en fait du singe marabou, des singes, des insectes ravageurs également dans la zone d'étude. En adoptant bien évidemment une méthodologie d'une approche en fait analytique et statistique, ça veut dire une double approche analytique et statistique à la fois. Tout d'abord, nous avons essayé de vérifier la continuité des séries climatiques et nous avons trouvé effectivement qu'il y a une grande continuité en fait des séries. Il y avait aucune rupture dans les séries utilisées. Nous avons testé l'homogénéité des séries en se basant sur la méthode double commune, et nous avons trouvé effectivement que ces séries sont homogènes, alhamdoulilah, d'accord. Et puis, nous avons essayé quand même d'analyser la tendance évolutive des différentes variables climatiques en se basant sur deux méthodes statistiques. La première méthode, c'est une méthode qui est bien connue, tout le monde la connaît, elle est très facile à utiliser, on peut la faire par Excel, c'est la méthode des moindres carrés. Ça veut dire la régression linéaire simple. Elle est facile à utiliser, mais malheureusement, cette méthode, ses résultats, parfois, elle nous donne en fait des résultats qui sont très faux. Voilà, qui sont faux. C'est pour cette raison, parce qu'en fait, la régression linéaire simple, c'est une méthode de, c'est en fait un test paramétrique, purement paramétrique. C'est pour cette raison, j'ai pensé à utiliser une autre méthode, c'est celle en fait, c'est un test non paramétrique, c'est celui en fait de McCandle, d'accord, qui est basé en fait sur la statistique S. Voilà. Alors maintenant les résultats que nous avons obtenus portent en fait sur trois volets essentiels. Le premier volet, c'est sur les changements climatiques observés dans la zone d'étude. Deuxième volet, c'est l'impact ou bien les impacts directs de ces changements. Et troisième volet, c'est les impacts indirects de ces changements. Alors, commençons tout d'abord par le premier volet qui est en fait les changements climatiques observés dans la zone d'étude. Nous avons essayé quand même de suivre la tendance évolutive des gains énergétiques du sol. Et lorsque je dis gains énergétiques du sol, ça veut dire ce que le sol gagne pendant le jour et pendant la nuit. Ça veut dire le rayonnement global, ça veut dire l'énergie solaire incidente à la surface de la Terre. Et puis, le rayonnement atmosphérique dirigé vers la Terre, pendant la nuit, bien évidemment. Et également, nous avons également essayé de suivre la tendance des températures de surface et la pluviométrie. Alors, les résultats obtenus sont les suivants. Au niveau, en fait, des gains énergétiques, nous avons trouvé que, effectivement, les gains énergétiques suivent une tendance évolutive progressive. Et bien sûr, cette évolution progressive des gains énergétiques, elle a un rôle ou bien une conséquence
sur les températures, qu'elles soient minimales ou maximales, parce que même les températures dans la zone d'étude ont enregistré une évolution remarquable. Tant qu'au niveau des précipitations, elles ont diminué, malgré que, pour que je sois honnête avec vous, parce que malgré que les précipitations ont augmenté ces dernières années, ça veut dire depuis 2006 jusqu'à maintenant, elles ont augmenté dans certaines stations au Maroc. Et ceci peut être lié à ce retour de précipitations que le professeur Mohamed Saïd Khourouq essaie de dire et de le partager avec la communauté scientifique à plusieurs reprises. Il y a le retour des précipitations, ça c'est sûr. Mais au niveau des stations qui se localisent en montagne, nous n'avons pas trouvé de retour de précipitations. Tout au contraire, nous avons trouvé qu'il y a toujours un recul de ces précipitations. Alors maintenant, au niveau de la pluviométrie, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas la diminution ou bien l'augmentation, parce que les précipitations ont toujours augmenté et ont diminué, parce que la chasseresse au Maroc, elle est structurelle. Et nous avons eu, en fait, des moments pendant le 14e siècle, le 15e siècle, le 16e siècle, des moments, en fait, de chasseresse. Ce qui est très important à signaler, c'est la durée et l'intensité de ces chasseresses, parce que si on a une chasseresse en fait de 10 ans, là, c'est énorme. Alors, je dis n'importe quoi peut-être, mais je donne seulement un exemple. 10 ans de chasseresse, c'est énorme. 4 ans de chasseresse, c'est énorme, ça c'est sûr, parce que tout l'organisme naturel vit à travers en fait la pluie, d'accord? Donc, il faut faire attention maintenant, il faut faire attention à cette pluviométrie, la quantité de la pluviométrie dans la zone d'étude, dans d'autres régions, bien sûr. Et également, les précipitations neigeuses, elles ont également diminué. Bon, ces résultats ont été obtenus à travers, en fait, la méthode de la régression linéaire simple, mais pour le test de McIntyre, il a également dévoilé des résultats similaires. Ça veut dire il y a une augmentation significative des gains énergétiques, ce qui a donné l'augmentation des températures moyennes, minimales et maximales. Et les précipitations, malheureusement, elles ont diminué. Et la neige, elle a également diminué. Voilà, donc c'est pour ne pas vous embêter par beaucoup de graphes, en fait, dans ce travail. Donc, j'ai pas mis, en fait, les graphes relatifs au test de McIntyre, mais les résultats suivent cette tendance-là. Alors, en ce qui concerne maintenant les impacts directs des changements climatiques sur l'écosystème cèdre, il y en a plusieurs, d'accord? Mais j'ai choisi de vous parler de l'impact des changements climatiques sur les cernes de croissance. Professeur Machori, elle a bien parlé de ça. Mais je vais parler également, mais dans la zone d'étude, en travaillant sur des résultats que j'ai obtenus dans la zone d'étude. Alors, en ce qui concerne l'impact sur les cernes de croissance, déjà, on parle de cernes de croissance anneaux annuels. Certainement, vous savez que chaque anneau de croissance correspond à une année de vie chez l'arbre, ça c'est sûr. Et bien sûr, le bois, selon les dendroclimatologues, ceux qui font de la dendroclimatologie ou bien la dendrochronologie, les dendroclimatologues, ils ont trouvé que le bois représente un bon marqueur climatique. Pourquoi? Parce que à travers le bois, on peut identifier le réchauffement climatique. Et on peut identifier les différentes phases. Phase sèche, phase humide, ainsi de suite. Voilà. Pourquoi? Parce que la largeur déjà d'un sol, elle est modulée par trois facteurs. Il y a la pluviométrie, la température et l'énergie solaire. Donc, s'il y a une perturbation au niveau de ces éléments climatiques, automatiquement, il y aura un effet sur la largeur de ces cernes. Ça veut dire, lorsque je dis la largeur, ça veut dire peut-être on aura des cernes qui sont minces ou bien des cernes qui sont épaisses. Donc, voilà. Donc, ça a une grande relation. Donc, année après année, les arbres enregistrent dans leurs cernes de croissance le passage des canicules et des chasseresses. Et c'est juste pour comprendre en fait cette idée, parce que je parle de la théorie ici, et il faut qu'on applique pour qu'on comprenne encore plus. Regardez. En fait, ici,
il y a deux graphes. Le premier, en fait, il parle en fait de la tendance évolutive, de la largeur des seins dans la cèdre d'azur. Et le deuxième, c'est sur les précipitations. J'ai essayé en fait de combiner entre les deux pour voir quelle est en fait la différence. Est-ce que la largeur du sein suit la même tendance en fait que la pluviométrie? Et effectivement, j'ai trouvé deux résultats essentiels. Le premier résultat, comme vous le constatez ici, c'est que effectivement, les seins, elles ont malheureusement diminué, d'accord? Et les précipitations également, elles ont diminué. Ça veut dire qu'il y a une grande relation entre la pluviométrie d'une part et la diminution en fait de la largeur en fait des seins d'autre part. C'est ça le premier résultat. C'est ça le premier résultat. Deuxième résultat maintenant, c'est que j'ai constaté que les années sèches, et lorsque je dis sèche, c'est sèche par rapport à la normale de référence, d'accord? Par exemple, ici, la normale de référence pour la station d'IFAN, c'est 930 mm. Donc, ça veut dire les années qui ont eu, en fait, des valeurs inférieures à 930 mm. Alors, ces années-là, qui sont reconnues sèches, elles ont enregistré, lorsque je les comparais, ces années-là, je les ai comparées avec la largeur des seins, j'ai trouvé que les années sèches, elles ont enregistré, malheureusement, des largeurs de seins inférieures, ou bien pas très importantes. Tandis que les années qui sont humides, ça veut dire les années qui ont enregistré des valeurs pluviométriques supérieures à 930 mm, elles ont enregistré une largeur de cerne qui reste quand même importante. Voilà. Les années 60, regardez, les années 60, les années 70, où quand même il y avait de la pluviométrie parce que le réchauffement climatique n'a pas encore débuté au Maroc. Parce que le réchauffement climatique, il a déclenché au Maroc à partir des années 80, ça veut dire 80, 90, et le début, en fait, du troisième millénaire, et il continue toujours d'exister ce réchauffement climatique et ces changements climatiques. C'est juste parce que le professeur Macholi a bien dit qu'il y a une grande différence entre le réchauffement et le changement climatique. Ben, certainement, c'est que le changement climatique, il est global. Et à l'intérieur de ce changement climatique, il y a le réchauffement. Voilà. Alors, toujours pour les impacts directs, cette fois-ci, je vais parler également, je crois, on n'a pas parlé, moi et le professeur Macholi, de ce que nous allons présenter, et tout d'un coup, on parle de la même chose, d'accord? Eh ben, c'est bien, je crois que c'est bien, parce que je crois qu'on est dans la bonne voie, je crois. Parmi, en fait, les impacts directs des changements climatiques sur l'écosystème cèdre, c'est l'impact sur la migration des peuplements des cèdres. Je vais être très brève dans ce côté-là parce que je ne vais pas redire ce que le professeur a déjà dit. Les bioclimatologues, à travers les études, ils ont trouvé que toute augmentation de 3 degrés Celsius de température, elle correspond à une migration de 500 mètres d'altitude. Si on suit en fait cette théorie et on veut l'appliquer dans notre travail, qu'est-ce que j'ai trouvé moi? J'ai trouvé que la station d'Ifrem, elle a enregistré en fait une augmentation de température de 0,02 degrés Celsius, Arbel 0,03 degrés Celsius et Samoal 0,04 degrés Celsius. Lorsque j'ai fait les calculs, j'ai trouvé que si je suis en fait cette théorie, ça veut dire que au niveau de la station d'Ifrem, il y a un déplacement de l'air du cèdre de 3 mètres, presque 3 mètres. Au niveau de la station de Samoal qui se trouve au sud de la région, de 6 mètres. Ça veut dire, autrement dit, si le cèdre existait auparavant au niveau 1, alors l'année suivante, il ne sera pas au niveau 1. Il va se déplacer en haut vers le niveau B. Et ça, c'est un vrai problème parce que si le cèdre se déplace du niveau A vers le niveau B, ça veut dire qu'on aura tout un massif absent ici. Et voilà, c'est une dégradation. L'écosystème va se dégrader à cause de ce déplacement vers le haut. Voilà. Et en ce qui concerne en fait les impacts indirects, j'ai choisi en fait de vous parler de deux impacts indirects. Le premier, c'est les insectes ravageurs. Hacharas barra. Et la raie d'Alicant. Dans la zone d'étude, il y a deux
types de ravageurs, deux types d'insectes qui se manifestent. Et les phytophages et les xylophages. Les phytophages, il n'y a jamais les hacharat, elle est titoussib ou elle est titoussib ou elle est titoussib ou elle في حين أن الإكزيلوفاز هي جميع الحشرات التي تهاجر خشب الأرض. Donc les phytophages ce sont les insectes qui s'attaquent au feuillage et les xylophages ce sont des insectes qui s'attaquent au bois. Très bien. Parmi en fait les phytophages, il y a la chenille processionneur du pain. هي التي نسميها بالفرنسية بالعربية عفواً دودة الجرارة. دودة الجرارة للصنوبر. لماذا نسميها la chenille processionnaire du pain parce que elle s'attaque au cèdre et elle s'attaque également aux différentes espèces du pain, c'est-à-dire le pain d'Alep, le pain maritime, le pain de coterie, le pain des Canaries, toutes sortes de d'espèces en fait du pain. Et également, il y a la chenille processionnaire du cèdre. En fait, cette douda jarara, elle s'attaque exclusivement au cèdre, pas plus. Voilà. Pour les xylophages, il y a les scolites qui s'attaquent à l'arbre, qui entrent en fait dans l'écorce, d'accord. Et en fait, la femelle essaie quand même de faire des couloirs. Et à travers des couloirs, au début, il y a le couloir principal. Et puis, à travers le couloir principal, elle fait d'autres couloirs. Et bien sûr, le bois devient inutilisable. Et voilà, on perd une grande partie en fait de ce bois. Voilà. Maintenant, je crois que vous allez me demander quelle relation existe-t-elle entre les changements climatiques et ces insectes. D'accord. Alors la relation, elle est très simple. C'est que le développement en fait des insectes phytophages et xylophages, il est dû notamment aux conditions climatiques. Parce que lorsqu'on a en fait des chaleurs estivales précoces ou bien tardives, alors automatiquement il y a une évolution notable de la population des chenilles et des squelettes. Pourquoi? Parce que l'insecte, c'est pas comme l'homme, il ne sait pas. L'augmentation de température, pour lui, c'est une période en fait de développement larvaire. Donc la chenille, au lieu de développer une seule génération par an, elle peut développer deux générations, voire même trois, parce que elle est liée à l'augmentation de température. Donc la température augmente, elle croit, l'insecte croit que c'est le moment pour qu'elle développe une génération. Donc elle la développe. Et comme ça, on a devant cette augmentation de température et de sécheresse prolongée. Alors l'effectif des chenilles processionnaires, il est toujours en augmentation, voilà. Et qui dit augmentation de l'effectif des chenilles processionnaires, dit dégradation de la forêt, parce que le titre, impact indirect, ça veut dire les changements climatiques affectent l'insecte, d'accord. L'insecte devient, le nombre de cet insecte devient important dans la zone d'étude. Et puisqu'il est important, il attaque le cèdre. Voilà, c'est une question de... C'est une relation, en fait, de cause à effet. Voilà. Et puis, lorsqu'on parle, en fait, de dommages causés, en fait, par ces chenilles processionnaires, qu'est-ce qui occasionne? Quels sont, en fait, les dégâts sur le cèdre? Alors, regardez. Je crois que la photo, elle est représentative. Alors, là, les chenilles processionnaires sont, en fait, des phytophages. Comme je viens de le dire, ça veut dire qu'ils s'attaquent aux feuilles. Au feu, à savoir que le cèdre, c'est pas en fait c'est pas une espèce feuillue, c'est un conifère, d'accord. C'est une espèce résineuse, ça veut dire elle n'a pas en fait des feuilles, mais plutôt elle a des aiguilles, d'accord. هي لديها أوراق على شكل إبري وليست أوراق الأشجار الأرض لديها أوراق إبرية الشكل وليست أوراق لمسطحة معروفة كما كانوا يوجدوا في الأرض في الأطلس عفوا في البلوط الفليني او البلوط الاخضر الى غير ذلك. دونك هذوك لي تيوي اشنو كيوقع لهم؟ لي شوني اتاك لارب، ال مونج اون فيت هذاك لو فوياج، ال لو مونج، داكور؟ اي بيان سور باسكو ال كونسوم اون فيت لا بارتي بازال دو ليبيديرم دي زيكوي، اي بيان سور سوسي اوكازيون تو دابور ان جونيسمون، يعني يصبح الشجره صفراء واللون، داكور؟
puis un dessèchement تصبح بعد ذلك الشجرة جافة دكار يعني أنها تصبح مفقرة من الماء إلى غير ذلك et puis une défoliation totale تتعرض هذه الشجرة une défoliation partielle ou bien totale défoliation ça veut dire أنها تفقد أوراقها إما بشكل جزئي أو بشكل يعني كامل كما تظهر هذه الصورة أكيد maintenant ce qui concerne en fait les dommages causés au cèdre par les squelettes, ça veut dire les tilkal hasharat lati tusibu le khashab wa laysa al-awraq al-ashjar voilà. Mais les squelettes, qu'est-ce que sont en fait ces dégâts? Les dégâts premièrement, elles s'attaquent déjà le processus en fait de l'attaque d'un squelette. Comme je viens de dire, c'est que la femelle entre dans l'arbre, entre l'écorce et le tronc. Elle fait en fait un couloir ou bien une galerie principale. Et à travers en fait de cette galerie principale, elle met en fait ses œufs. Et puis, elle essaie de trancher d'autres couloirs qui aboutissent chacun à un trou de sortie. Voilà. Donc l'arbre devient de cette façon-là. Donc il devient inutilisable. On ne peut pas l'utiliser. Et comme vous le savez, parce que le cèdre, c'est l'arbre du cèdre, il est d'une grande qualité, voilà. D'une grande qualité, il est utilisé en parfumerie, il est utilisé en cosmétique, la délicat. Donc, le cèdre, il est d'ici, Voilà. Dernier impact indirect maintenant, et je ne vais pas me tarder pour finir en fait ma présentation, c'est l'impact des changements climatiques sur le singe. Et le singe, de sa part, il va contribuer ou bien va affecter le cèdre. Alors le singe, c'est le singe magou, on l'appelle également le macaque berbère ou bien le macaque de Barbarie, c'est le seul singe qui existe en Afrique du Nord de ce genre. D'accord? De ce genre. Alors, il est exceptionnel ce singe. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité de s'adapter facilement aux variations climatiques entre un été chaud et sec et un hiver froid et enneigé, ça d'une part. Son régime alimentaire se compose notamment de feuilles, de racines, de tubercules, de fruits, de vers de terre, des insectes, des chenilles, notamment la chenille processionnaire. Alors maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que il peut également consommer d'autres éléments qui se trouvent dans l'écosystème. Par exemple, les jeunes arbres du chêne vert et les fleurs mâles du cèdre. Jusqu'à maintenant, c'est pas très important tout ça. L'important, c'est quoi? C'est que il y a une grande relation entre les changements climatiques et les singes parce que s'il y a une chasseresse successive, notamment les chasseresses des années 80, 90, 2000, et il y a un déficit hydrique. Même si on est dans une montagne, certainement il y a un déficit hydrique. Et le singe, il cherche l'eau. Où est-ce qu'il trouve l'eau? Il le trouve l'arbre du cèdre. Il le trouve l'arbre du cèdre parce que il essaie en fait de sucer, d'accord, l'écorce qui est riche en eau. Et comme ça, en suçant en fait cet arbre riche en eau, l'arbre devient jaune et puis il peut perdre en fait de ses qualités, ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, dans la zone d'étude, j'ai trouvé, on a fait en fait des tournées, et nous avons trouvé ce singe en fait en train de se nourrir malheureusement de l'écorce, voilà, du cèdre. Et nous avons obtenu même des résultats. C'est que il y a 122 parcelles dans la zone d'étude. 36 parcelles ont été attaquées individuellement par les singes. Lorsque je dis individuellement, ça veut dire il y a des attaques qui sont éparpillées. يعني أن هناك هجومات منتشرة متناثرة الانتشار بين القلوب. Il y a des marchurats rabeaux, des parcelles moins marchurats rabeaux, des parcelles forestières qui ont été attaquées par le singe mais par tâche. يعني أن هناك هجوم يعني موضعي على على المنظومة إلى غير ذلك. وهناك تقريبا مشارتين فقط. Il y a deux seulement deux parcelles qui ont été attaquer de façon générale. Ça veut dire quoi de façon générale? Ça veut dire de façon massive. يعني أن المشارة بأكملها تضررت. Voilà.
Alors, maintenant, le changement climatique, maintenant, il a un rôle sur l'intensification des écorçages du sage, mais cet écorçage, il n'est pas dû, seulement au changement climatique, d'accord ? Il est dû également à la forte pression touristique. Moi, j'étais dans les lieux, d'accord ? Et j'ai donné, en fait, de la nourriture, en fait, à un singe, des cacahuètes, normalement. Et je voulais manger, moi j'avais faim, d'accord ? Je voulais manger. J'avais une merindina, vous la connaissez, voilà. Il l'a vu, en fait, il me l'a prise, d'accord ? Il l'a ouverte, il l'a mangée. Moi, j'étais stupéfaite, en fait, par sa réaction. Je l'ai photographiée en train de manger des gâteaux. S'il a vu Merindila, il l'a connu. Il l'a mangé. Ça veut dire qu'il a déjà goûté. Ça veut dire que les touristes, malheureusement, par leur accent qui est néfaste, donnent aux singes dans les circuits touristiques, Jbel Gourou, Michlifa, Jbel Hibri, ainsi de suite, ils leur donnent des aliments qui sont néfastes. Parce que ces aliments-là ne font pas partie, en fait, de son régime alimentaire. Alors, wow, pour lui, il doit manger, en fait, les hacharat, les vers de terre, d'eau, des larves d'alita, les fruits, ainsi de suite. Et, bah, normalement, il ne doit pas manger les friandises et manger, en fait, les gâteaux, et voilà. Et même, il y a des touristes, malheureusement, qui leur donnent même les cigarettes et l'alcool. Alors, imaginez alors un singe en train de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes. Exactement, oui, tout à fait. Voilà. Et bien sûr, si on rajoute à la forte pression touristique, on rajoute bien sûr l'augmentation incontrôlée de l'effectif de la population du singe, la situation devient encore plus alarmante. Parce qu'en fait, le singe marou, il n'a pas de prédateur. Il n'y a pas de prédateur naturel pour cet animal. Donc, s'il y a une augmentation, en fait, l'effectif, en fait, du singe marou dans la zone d'étude, avec une densité de 27 individus au kilomètre carré, donc il y a, ça veut dire des espèces ou bien un effectif qui est très dense dans une région pas très vaste, d'accord? Et puis ça donne cette intensification en fait des écorçages ainsi de suite. Alors toujours en fait ce singe qui a en fait des dommages en fait sur le cèdre, pardon. Et pour ne pas trop vous embêter, c'est que le singe en fait il entraîne en fait un dessèchement, et par la suite mortalité en fait des arbres du cèdre. Et bien sûr pour conclure, il faut absolument que je dise qu'il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il n'y a pas seulement les changements climatiques, d'accord ? Et je crois que les chercheurs doivent être conscients de tout ça. Il y a les facteurs du milieu naturel, par exemple les champignons, la nature du substrat, la nature du sol, l'exposition, la position topographique. Il y a ces éléments-là qui joue un rôle dans la dégradation, dans le dépérissement. Il y a également les autres facteurs de l'action qui ont relation avec l'homme et l'action anthropique, d'accord? Notamment le surpâturage, les épanchages, les essaimages, les incendies de forêt, ainsi de suite. Et bien sûr, à la fin, j'aimerais en fait vous remercier pour votre attention, ou en espérant vous rencontrer, Inch'Allah, prochainement. Merci beaucoup. شكرا أستاذة هند فتاح على هذا العرض القيم. Excusez-moi, je ne pouvais pas être exhaustif comme je l'ai fait pour la collègue Nadia. ولكن أنا نحاول ما أمكن أن أعطي بعض الخطوط العريضة للعرض الذي تقدمت به مشكورة. حول آثار التغيرات المناخية على المنظومة البيئية الغابوية لأرز منطقة الأطلس منطقة أزرو أو الأطلس المتوسط أوسط الغابة بطبيعة الحال غابة الأرز بالأطلس المتوسط الأوسط التي تحتل تقريبا 17800 هكتار تعرف أوضاعا هشة
وبالتالي هي غابة تواجه تغيرات مناخية هامة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، مما يؤثر على الحالة الصحية لغابة الأرز. هنا فقط أفتح القوس أن جغرافيا الصحة هي التي تهتم بدراسة توزيع الأمراض بما فيها أمراض حيوانية وأمراض نباتية النباتات عبر المجال ومختلف ودراسة مختلف العوامل البيئية التي تؤثر في تحسنها أو تدهور حالتها أو تساهم في توزيع في تطور توزيعها أو اختلاف هذا التوزيع حسب المجالات. دونك نحن في يعني تقريبا كنتلاقاو في هذا المشكل ديال الصحة ديال الغابة وصحة الحيوان وصحة الإنسان في المداخلات الثلاثة. كذلك الموضوع الذي تساهمت به غني جدا، وأنا جد ممنون لأنني رغم مساري المهني الطويل اكتسبت مجموعة من المفاهيم والمصطلحات المستحدثة، لأنه يعني لم تكن هناك سوابق أو تراكمات في الدراسات المهتمة بأثار التغيرات المناخية على المجالات الغابوية. وبالتالي توصلت إلى مجموعة أو رسمت مجموعة من الأهداف في دراسة مختلف المؤشرات المناخية وقياسات مجموعة من السلاسل الزمنية لجذوع الأشجار أو اسمهم السيرن دو حلقات الحلقات حلقات النمو الحصيلة بطبيعة الحال، كذلك الطاقية التصاعدية كذلك، ومسألة ارتفاع التساقطات ومختلف الملاحظات التي توصلتم إليها أن هذه التساقطات انخفضت مقابل تصاعد ارتفاع الحرارة. نتائج أن هناك تأثيرات متعددة يعني طبيعية وبشرية، وكذلك تأثيرات سوسيو-اقتصادية مرتبطة باستغلال الغابة. ونصب اهتمامكم على صحة الأشجار والحشرات التي ترتبط بفترات ومدة الجفاف وفترات التساقطات إلى غير ذلك، ومسألة العجز المائي خلال سنوات الجفاف الذي يفضي إلى التهاب أو حيوانات أو قردة الأطلس إلى الاقتياد من المشارات الغابوية، يعني المشارات أو المشورات. أنا كان أقول استغلاليات المشارة أو إلى آخره، ولكن بالنسبة للمشورات ما أعتقد هو الصحيح بالنسبة للغابة. ربما أنا في الواقع أستاذ أنا أعرف بأنها المشارات الغابوية، ربما الأستاذ مشوري يمكن أن تصحح لنا الفكرة أكثر. المهم أنا انتبهت جيدا فعلا مشارات فرسل مشارات 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 أستاذ هين مشارات أستاذ هين مشارات نعم مشارات بإضافة إلى الضغط السياحي وكثافة الاستغلال بالنسبة للمجال الغابوي. بطبيعة الحال مثل الأستاذة نادية توصلت إلى أن هناك أشياء أخرى، ربما زوايا مظلمة ليست فقط التغيرات المناخية والعوامل المرتبطة بها في التأثيرات، ولكن هناك أشياء أخرى ربما وجب طرحها كمسارات جديدة وكمسارات ثانوية أو فرعية للدراسات وتناول هذا الموضوع المرتبط بتأثيرات التغيرات المناخية على المنظومات الغابوية. مشكورة مجددا الأستاذة هند، وأنتقل إلى
المتدخل الثاني وأطلب